22 mars 1906. Premier match France-Angleterre joué au Parc des Princes. L'Angleterre gagne par 35 à 8. L'équipe de La Rose bat le 15 tricolore de 1907 à 1914, puis en 1920, en 1921. Mais alors, les Français sont toujours battus au rugby ? Non, pas toujours. En 1927, en 31 et en 48, à Colombes, la France a remporté la victoire. Le palmarès s'établit ainsi. Sur 24 parties jouées, 20 ont été gagnées par l'Angleterre, 3 par la France. Il y eut un match nul en 1922 à Twickenham, mais l'Angleterre n'a jamais été battue chez elle. Rappelons quelques notions du jeu. Jean Giraudoux a donné une définition devenue classique d'une équipe de rugby. Mais sport et littérature se rejoignent donc ? Voici cette définition. Une équipe de rugby prévoit sur 15 joueurs, 8 joueurs forts et actifs. Les 8 avant. Il y a plus de 25 ans que Giraudoux donnait cette définition. Aujourd'hui, la formule a évolué, et même pour les avants, la vitesse est un atout majeur. Deux joueurs, légers et rusés. Les deux demi. Quatre grands et rapides. Les quatre trois quarts. Et un dernier, modèle de flegme et de sang-froid. L'arrière. C'est surtout dans le sud de la France que le rugby est pratiqué. Allons surprendre dans leur province quelques-unes des vedettes de l'équipe de France. Nous voici en Charente. Quel est ce vétérinaire ? C'est Guy Mauroux, l'arrière de Cognac, qui fut pour certains un candidat éventuel. Allons vite sur le terrain retrouver l'équipe première de Cognac, qui exécute sa séance de culture physique sous la direction de l'international Biennès, qui jouera pilier dans le 15 tricolore. Quel beau maillot vous avez, monsieur Biennès. Plaquage classique de Biennès par Mauroux. C'est l'entraîneur, Arrizabalaga, qui surveille lui-même le mouvement. Agen. Voici un ballon qui vient d'Édimbourg en droite ligne. Le capitaine de l'équipe de France. Oh, pardon, son fils Daniel. Mais si, c'est bien Guy Basquet, vous l'avez reconnu. Et comme d'habitude, Basquet force à l'entraînement. Dans les célèbres jardins de l'évêché de Castres, dessinés par Le Nôtre, le capitaine du Castres olympique, Jean Matheux, et les frères Simon, Maurice et Jacques, rencontrent quelques dirigeants. Sur le terrain, les champions de France préparent les sévères rencontres à venir sous la direction du catalan Barbazange, en maillot blanc. Col, Matheux, Torrens. On est sportif à Castres. Il y a même une jeune fille finaliste olympique, Mademoiselle Monginou. Barbazange appelle les deux sélectionnés de l'équipe de France. Toi, Matheux, à ton 22e match international, tu connais ton affaire. Et quant à toi, Simon, tâche de faire aussi bien qu'il y a un mois contre l'Irlande. Quel calme! Serions-nous loin de Paris? Mais non, nous sommes à deux pas de la Bourse, Square Louvois, à la veille du match. Ce poids lourd, à la large carrure, c'est Firmin Bonus. Le Toulonnais retrouve deux Pyrénéens, Jean Pratt, capitaine de Lourdes, et Roger Ferrien de Tarbes. Un beau coup de filet pour l'amateur d'autographe. Le talonneur Martin se dépêche, au risque de se couper. Pour rien au monde, il ne voudra rater son accolade. Chambre numéro 7, décidément le 7 est le numéro attitré de Guy Basquet, 7 à l'hôtel, 7 sur le terrain. Veillée d'armes à Colombes. Voici messieurs Poteau, Laurent et les sélectionneurs Jauregui, Krabos et Leroux. Le cognacé Biennès s'empare du ballon sous la direction de Roger Leroux. En premier plan, le palois Martin. Deux joueurs, non, deux spectateurs, Yves Bergougnan et Roger Arcalis, tous deux blessés. Pilon, Merquet, Brun, Loga. Pomathios vient de se claquer. Pas de veine. Voici l'équipe de France sans ailier gauche. Jauregui apprend la nouvelle. Bigre, voilà qui n'arrange pas nos affaires. Enfin, nous verrons ça ce soir. À la même heure, à Jean Boin. L'équipe d'Angleterre se dégourdit les jambes. Bobby Heard d'Oxford a des changements de pied inquiétants.
L'arrière, Hoffmeyer, le buteur du 15 de la Rose. Eh, ma foi, pas mal du tout ce coup de pied. Attention au coup franc. Ancien talonneur de l'équipe d'Angleterre, Tuft, aujourd'hui sélectionneur. Et voici encore le fameux Smith, qui nous semble avoir un crochet redoutable, un beau recentrage du pied. Le capitaine Price est poursuivi par les chasseurs d'autographes, et on comprend très bien qu'il ne se fasse pas prier quand un autographe est si gentiment demandé.